Voilà, ça c'est fait. Juste par curiosité. Je crois que j'ai un peu exagéré. La vache. 448 éclairs d'affilée. J'ai un peu exagéré. La vérité, c'est que j'ai juste. La vérité, c'est que je me suis juste mis dans un coin où la foudre va à coup sûr et j'ai mis une playlist de musique pendant les 40 minutes et puis j'ai fait que de l'esquive d'éclair. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Ok, salut à tous, c'est Nosok et on se retrouve pour le petit Birdman mod. Ouais, donc j'ai fait une petite pause surtout au niveau des combats.
pour le Spider-Man mode. Par contre, j'ai pas chômé au niveau des quêtes annexes. Je sais qu'on va pas pouvoir les avoir tout de suite, mais voilà, j'ai déjà récupéré ces trois sauts là. Alors faut savoir en fait, par rapport en fait à la version française, ça m'a perturbé au début aussi, mais par rapport à la version française en fait les astres ne sont pas associés au même personnage. Jupiter c'est une Waka, donc c'est une Mercure en VF. Vénus c'est celui de Lulu, je crois qu'il est celui de Mars en VF. Et Saturne c'est celui de Kimari. Je crois que celui-là il a pas changé. Mais bref voilà, donc en gros j'ai fait tout le Blitzball, comme ça c'est fait. Tout le Blitzball, les 200 éclairs à esquiver et la chasse aux papillons. J'ai pas fait la course de Chocobo parce que la course de Chocobo je sais qu'il faut la gagner aussi pour avoir l'arme ultime de Tidus. Et pour l'instant on n'a pas l'objet pour atteindre l'arme ultime de Tidus. Pour avoir les armes ultimes tout court en fait. Et j'ai pas encore fait celui de Riku comme il inclut des combats. Je sais pas si Beaverman a modifié les combats et tout, donc j'ai préféré le garder au cas et pour plus tard. Il me manque aussi celui de Yuna. Celui de Yuna, il faut affronter Belgemin dans le temple de Remiem. Sauf qu'en fait les chimères de Belgemin ont été largement améliorées, donc on va pas les faire tout de suite. Actuellement, c'est impossible de les battre, tout simplement, à ce stade. Et après, je sais plus, dernier saut, je sais plus c'est comment, déjà. Mais ouais, voilà, j'ai fait les trois plus gros, j'ai fait les deux plus gros, en tout cas, les 200 éclairs et le Blitzball. Je vous ai pas montré, parce que franchement, montrer les mini-games, les mini-jeux, ça m'intéresse pas. Et je pense pas que ça vous intéresserait non plus. Tout ce que vous allez avoir à savoir pour le Blitzball, c'est que lui, il carie la team. Vraiment. Carry la team, prenez-le, c'est un génie ce joueur. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Du coup, alors là-bas, je voulais aller faire directement le boss optionnel, mais je me suis dit, vu qu'on a une armure avec nos counters, on va aller chercher tous les coffres au niveau des ruines d'Omega. Voilà. Parce que normalement, les ennemis ici sont... trop balèze. Alors oui, il n'y a pas la cinématique de Necron parce que j'ai déjà été, comme je l'avais expliqué, contre Ject pour farmer, pour capturer l'espèce de lézard et farmer défense fossile plus. Là, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va sauvegarder et on va aller chercher juste les coffres. On va pas faire les combats. Les combats, je les garde pour une autre fois. Puis voilà, on va tranquillement aller chercher les coffres. Alors, sachant qu'il y a un gimmick avec les coffres de ce donjon. Voilà comme ça. Si je me souviens bien, faut les ouvrir. En fait, c'est aléatoire, faut les ouvrir dans un sens. Si tu l'ouvres dans le bon sens, tu as les objets. Si tu l'ouvres dans le mauvais sens, tu as un combat aléatoire. Donc, évidemment, c'est aléatoire dans la version de base. Mais du coup, là, vu qu'on est sur émulateur, je vais pas me faire chier. Safe state. Voilà. Donc, voilà. Donc, là, deux cercles de level 1, je vais y arriver. Ok, ça faut pas l'ouvrir du coup. Hop, voilà, donc ça faut. On va ouvrir ça. Ça, on va pas l'ouvrir, tout simplement. L'autre, on va le laisser là. Oui, c'est une zone comme si ça se dévoile au fur et à mesure au niveau de la map. Donc là, voilà, on va juste tranquillement récupérer tous les coffres qu'il y a. On va pas faire les combats ni les boss, parce que je pense que le boss. Ils ont été bien améliorés, je pense. Je crois qu'il n'y a pas un manuel Albate ici. Là en fait c'est juste la zone pour te dire youhou, il y a un coffre là-bas. Et moi je me rappelle gamin, le coffre qui est là-bas, j'ai mis longtemps à comprendre comment il fallait l'atteindre. Alors du coup on va aller là-bas. Ah ouais, donc vraiment avoir une armure avec sécurité, no counter, c'est la vie putain. C'est vraiment la vie. Alors. Ok, donc là pareil, je vais faire une safe state pour pas tomber sur le coffre qui déclenche le combat. Parce que si vous tombez sur le coffre qui déclenche un combat, en fait, vous perdez le contenu des autres coffres. Donc voilà, donc là par exemple, fuck. Je crois qu'on peut même pas fuir les combats, donc ok, donc Defending Brasser. Turnover. Est-ce que ça reste un combat ou est-ce que...
Non, je fais les save states parce que franchement, j'ai envie de m'emmerder avec ça. J'ai jamais aimé le gimmick des coffres de son endroit d'ailleurs. Alors, du coup, on a obtenu des équipements manuels. Ah, turnover. Alors, turnover. Magie et contre-attaque pour Waka. Oh! Ok, bon, bah, tu sais quoi, vu que j'avais pas de bonne arme avec Waka en ce moment, je crois que je vais garder ça. Et l'autre truc qu'on a gagné, c'est quoi? Je sais pas où elle est. Merde, attends, refais voir. Attends, je revois parce que. Ah, ok, là. Silence proof, dark proof. Ouais. Bon, c'est. J'ai un meilleur quand même. je préfère celui que j'ai. Parce que vraiment, au niveau des altérations, là, voilà. Stoneproof. Stoneproof, vraiment. Ça va, Carrie. Alors. Ensuite, on avance là-bas. Alors, si je me souviens bien. Normalement, pour progresser, il faut aller à droite. Donc, on va aller à gauche. Ce qui est tout à fait logique. On va éviter de tomber sur le boss. Hein. Sinon, le boss, normalement, tu le vois venir. Ok, donc là, pareil. Même gimmick. Donc, save state. Et on va ouvrir ça. Alors. Ok, donc 3. Deux cercles de level 3, ça c'est bien. Et ensuite. Defending Armlet. Donc ça c'est pour Kimari normalement. Ça c'est ça, Stone Proof, Poison Proof. Et là j'ai Poison Proof, Stone Proof. Ça j'ai exactement le même quoi. En plus celui-là. Alors, est-ce que je serais venu ici pour chercher celui-là? Et. Ah putain, ça existe encore ça, Friend Sphere! Ah la vache! Je croyais que ça avait disparu ça! Friend Sphere en VF, c'est Sphère Réunion. Donc. Voilà. C'est les Sphères Réunion. Je pensais que ça avait disparu honnêtement. En fait, ce que ça permet, c'est que ça permet voilà, de rejoindre un allié pour pouvoir, bah, en gros, le rejoindre, quoi, tout simplement. Waka est là. Ok, bon, là, du coup, c'est bien que ça existe. Ah oui, qu'est-ce qu'on peut customiser avec? On peut customiser des trucs intéressants avec. Friend Sphere. Rien au niveau des armures et au niveau des armes. First Strike. Ah, c'est plus les Return Sphere pour First Strike, c'est Friend Sphere. Ah, d'accord. C'est vrai que je veux. C'est vrai que quand j'y pense, j'avais pas fait gaffe que on pouvait pas customiser Friend Sphere. Bon, bah oui. Enfin, First Strike. Voilà. J'ai la réponse maintenant pourquoi je pouvais pas le customiser, tout simplement parce que. Ah oui, parce qu'il faut activer un autre saut avant. Voilà, donc là, toujours le même gimmick, mais cette fois avec 4 coffres au lieu de. Au lieu d'un. De 3. Voilà, donc là, c'est pas de bol. Allez hop, on reload. Ouais, bon, franchement, si vous êtes pas sur émulateur, c'est chiant, parce que sinon vous perdez tout le contenu. Ça, c'est bien, je prends. Ça, c'est pas trop mal. Ok. Alors, on a eu un long gueule. What? Ok. Attends. Break dommage limite sur une armure? What? C'est quoi ça? What the fuck? Ok. Ah oui, tiens, je te vois toi. Voilà. Ça c'est le manuel Albade. D'ailleurs je les ai pas tous récupérés les manuels Albade, mais bon, c'est pas trop ma priorité. Mais j'ai regardé d'ailleurs, en fait le manuel Albade que j'ai loupé à la peine foudroyée, apparemment.
Apparemment, on peut le récupérer dans le désert. Donc, voilà, donc faut activer ça. Le glyphe à pire. Faut activer ça. Et je crois en fait les derniers coffres qui restent, faut les ouvrir dans un certain ordre pour avoir les contenus. Donc je resterai après. Parce que oui, il y a des contenus aussi. Alors là, si je me souviens bien. Je pense que ça va mener au. Ça mène au boss par là, je crois. Ouais, la sphère, si vous montez, c'est le boss, donc on va pas monter. Hop là, ça, voilà, si vous montez, c'est le boss, donc on va pas monter tout de suite. On peut aller par là aussi. Voilà, comme ça, en plus, la carte est débloquée. Ah bah, on va, le coffre a disparu, comme ça. Ok. Et donc là, normalement, si on active ça... Enfin, ce gros plan... Ce gros plan. Ouais, un saut est apparu. Ok, donc maintenant on peut monter et aller chercher le coffre qu'on voyait d'en haut. Donc, téléporte sphère, ok, voilà. Donc, téléporte sphère, c'est pour se téléporter. Bah, je vous montre, c'est pour tout simplement se téléporter. Voilà, n'importe où qu'un autre personnage a déjà activé. D'ailleurs, vous savez quoi en fait? C'est plutôt la fin du sphérier qui m'intéresse avec Ori de Tidus. C'est qu'il y a quelques rapidités, qu'il y a quelques sphères. Je serais bien tenté de le cliquer en a là aussi. J'allais dire, je serais bien tenté sinon de téléporter au rond sur. Ouais, non, il y a plein de trucs rapidité donc non. Non, j'allais dire, j'aurais bien été tenté de téléporter au rond sur Booster X. Par contre, Yuna. Avoir Yuna avec Booster X, c'est peut-être pas une mauvaise idée, mais. Bon, je vais y réfléchir. Kimari, tu peux rester sur ce chemin-là. Ok. Voilà. Alors. Bah, du coup, je crois qu'on a récupéré tout ce qu'il y avait à récupérer, puisque les coffres maintenant ont disparu. Après, je suis à ce coup, j'ai mal fait le gimmick, hein, donc. C'est des trucs que je sais pas parce que je vous avoue que j'ai jamais vraiment cherché les coffres de ce. Je crois que tous les coffres ont disparu. Non. Ok. Bon, je vais revérifier quand même de mon côté que j'ai bien tout fait correctement. Sinon, bah, je vais faire une sauvegarde à part et recommencer. Et puis voilà. Après ça, je vais faire la suite. Donc, je reviens. Je vais juste vérifier vraiment que j'ai rien loupé. Ok, en fait j'ai mal compris ce mini-jeu, pour ma défense je l'ai jamais fait avant, c'est pour ça. Je croyais qu'en fait il y avait toujours un coffre qui était un mimique. Mais en fait c'est faux. En fait ce qu'il faut faire c'est qu'il faut ouvrir... Donc là j'ai fait refaire la première salle après avoir rechargé ma partie pour vérifier. Et là j'ai pu ouvrir les deux coffres. En fait je pense que ce qu'il faut faire c'est... Il faut faire chaque salle, les unes après les autres. Et à chaque fois, il faut tomber sur la salle qui ouvre tous les coffres. Mais comme nous sommes sur émulateur, voilà ce qu'on va faire. Donc là, j'ai ouvert cette salle-là qui avait tous les coffres qui étaient normales. On va refaire une save state. Parce que le problème, en fait, c'est que dès que tu ouvres un coffre d'une salle, même si c'était le bon coffre et que tu pars, les autres coffres disparaissent. Mais en fait, là, il faut avoir de la chance. Si on le faisait normalement, il faudrait avoir de la chance. Et à tomber sur la salle qui a pas de mimique, en fait. Là, turnover, level 3 qui se vire, et là, voilà. Donc, là, typiquement, je vais recharger. Voilà.
Donc là, typiquement, cette salle-là a un unique actuellement. Donc, on va l'ignorer. Je vais accélérer pour aller plus vite. Donc, on va l'ignorer. Je vais refaire une save state pour être sûr. Hop, voilà. Si on se perd pas son temps. Donc là, on va essayer la salle qui est au fond, par là. Donc là. Turnover. Et en fait, ça, elle a un mimique, donc ça, c'est pas la bonne. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut aller chercher la salle avec les 4 coffres. Et normalement, je dis bien normalement, les 4 coffres. Ah. 4 coffres devraient. Turnover. Je vais trouver ici. Défendre des garnettes. Voilà. Donc là, voilà, ça fait 2 salles complétées. Deux salles complétées. Donc maintenant, on va relancer une save state. Franchement, vu que c'est un mode sur émulateur, faites-le comme ça, c'est plus simple. Parce que sinon, c'est de la RNG, c'est de la pure RNG. Et donc là, on va essayer cette salle maintenant. Hop là. Donc là, on a une cercle level 4. Ok, donc là, cette salle-là, ça a un mimique. Donc c'est pas celle-là pour faire l'autre. Par l'autre salle. Bon, j'ai juste eu de la chance et il faut aussi se voir dans un certain ordre. Alors, donc on va faire cette salle du coup. Donc là, level 4. Phantom Ring. Et merde. Bon. Il doit y avoir un certain ordre. Alors attends. On avait ouvert celle-là. Et après, on avait une rencontre aléatoire là-dedans. Bah non, là aussi, ça me donne un mimique. Attendez. D'accord. Alors, en fait, c'est encore plus casse-couille que je pensais. en fait, c'est fixé en fait au moment où vous chargez votre partie. Sur émulateur en tout cas. En fait, ce qu'il faut que vous fassiez, voilà, c'est que vous ouvriez. Donc là, cette salle-là a tous les coffres que je peux ouvrir. Mais la dernière salle, parce qu'il en reste qu'une seule maintenant, en fait, je sais, parce que j'ai déjà essayé avec une save state, qu'elle a un mimique. Et donc, comme je sais qu'elle a un mimique, je peux pas ouvrir tous les coffres. Donc il faut que je rush sauvegarde et que je charge. Enfin, là, je vais vous montrer, hein, mais. Hop, système, je vais sauvegarder. Enfin, système state. Je peux vous montrer. Voilà, elle a un mimique qui est là. Et peu importe ce que je fais, si je recharge ma partie, si je refais ma sauvegarde automatique et que j'essaie d'ouvrir les deux en premier, on regardera les résultats après. Voilà, donc, ça sera toujours un mimique. Donc, il n'y a rien à faire. Donc là, ce qu'il faut faire, en fait, c'est qu'il faut aller sauvegarder une vraie sauvegarde, pas une save state. Et recharger la partie jusqu'à ce que les trois salles s'ouvrent. Donc je vais faire ça. Et je rejoins dès que j'ai la bonne RNG quoi. Bon, alors écoutez, je crois qu'il y a eu un bug. Parce que j'ai réussi à ouvrir les 12 coffres. Mais pour je ne sais quelle raison. J'ai eu des récompenses en double, voire triple, au lieu d'avoir des récompenses différentes à chaque fois. Donc là, par exemple, j'ai eu 3 fois le turnover avec Waka. 2 fois le Defending Brasser et Coron, exactement le même. Et j'ai eu des level 1 qui se fait, level 3. Je pense qu'il y a eu un bug. Parce que normalement, t'es pas... Bah déjà, l'équipement avec Lulu qu'on a eu tout à l'heure, je l'ai pas eu. Du coup... Heureusement, j'ai gardé ma sauvegarde, mais ouais, je crois que je vais signaler ça. Je pense qu'il y a un bug sur ces coffres parce que c'est pas, je pense pas que c'est normal que j'ai eu 2 fois les mêmes trucs et même dans le cas de Waka 3 fois la même arme, quoi. Je pense pas que c'est normal. Donc je vais signaler ça à Birdman, mais ouais, voilà, c'est un bug. Bah du coup.
Du coup, je vais recharger mon autre sauvegarde parce que, mine de rien, l'armure de Lulu avec break dommage limite et break MP limite, moi ça me va. Voilà. Alors, ce qui me fait chier, c'est que d'après les notes du patch, j'ai regardé, du coup, parce que ça me paraissait bizarre d'avoir ces récompenses en double. D'après les notes du patch, on était censé avoir une lance pour Kimari avec la compétence gillionnaire. Donc qui permet d'avoir deux fois plus de gil, donc c'est dommage qu'on ait loupé ça. Mais bon, bah, des fois il y a des bugs, faut pas chercher. Hein. Donc voilà, pur bug. Hein. C'est pas de bol. Tant pis. Bon bah ça j'en veux. Bon c'est pas un défaut, hein, c'est. Quand tu modes, il y a des bugs, ça arrive. C'est. L'important c'est de les trouver, de les signaler pour pas que d'autres se tapent ça. Donc ça je vais le signaler à Beaverman je pense. Ou du moins un mec que je sais qui peut contacter Beaverman directement. Parce que ouais, c'est. Bon, c'est pas terrible quoi. Mais bon, je vais garder cette sauvegarde là du coup, juste pour ça, le Mythical Bungle. Et voilà. Ce sera tout pour cette coffre. Maintenant on va faire autre chose. On va faire autre chose maintenant. Alors. Maintenant, on va aller au temple de Bage. Voilà. Alors, on va affronter un boss. Et donc, si vous êtes pas trop, si vous avez suivi, on va affronter en fait le boss que Tidus avait dû fuir au tout début du jeu, le gros poisson. Et alors, pour ce gros poisson, le plus important vraiment dans la version de base en tout cas, c'est d'avoir des armures avec Stoneproof. Donc bien sûr il va être modifié je pense, mais je ne prends aucun risque parce que autant sur terre pétrification ça peut aller, autant dans l'eau pétrification c'est une catastrophe si ça arrive. Donc je ne prends aucun risque. Donc voilà, Stoneproof pour Waka, Stoneproof pour Luriku et Stoneproof pour Tidus, parce que du coup évidemment c'est un combat sous l'eau. Donc, qui dit combat solo dit Tidus, Riku et Waka. Au niveau de ça, on va garder comme ça. Et pour Waka, bah, je vais lui mettre ce turnover, comme ça il pourra faire des contres. J'aurais aimé pouvoir avancer encore un petit peu en fait pour avoir la force plus 4 avec Waka, parce que Waka manque un peu de force. Tidus, la 4 en force, ça va. Ok. J'aurais aimé pouvoir poser cette sphère aussi. Bon, c'est pas grave, on va le faire comme ça. Si ça marche pas, je gagnerai un peu. Parce qu'évidemment, il va être modifié. Donc, je pense que. Voilà. Ok, on va sauvegarder. Et on va tenter ça. On va sûrement mourir au premier tour. C'est là que tu vois qu'il l'a rendu aussi dur que les monstres de l'arène. Et que le machin il te tape à 99,299. What's up? Something here? I almost got eaten by a fiend here. Payback time. I get the picture. Alright, let's go. Alors, du coup, ça va, faut se diriger par là pour le faire apparaître. Voilà. Donc, voyons ça. Alors, ce machin au nom imprononçable. Alors, dans la version de base, c'est une vraie merde ce boss. Il a genre 30 000 PV à peine et il est vulnérable à tous les éléments. Et oui, c'est un poisson qui est vulnérable à l'eau dans la version de base, ça n'a aucun sens, mais bon. Là, on va voir ce que ça donne. Alors, je sais qu'il utilise principalement des attaques physiques, donc on va se foutre protect. Statue Punch. D'accord, donc ça c'est nouveau déjà. Là il inflige. Inflige poison. Ok. Quoi, je vais faire un mix.
ça, ça. Voilà. Ça, on a les 5 encouragés. On va juste mettre Protect sur Waka. Ok. Ouh, il a une grosse défense. Ouh, j'aime pas cette défense. Ok, donc là, je vois du zombie, de la confusion aussi. Avec les remèdes, ça va être nécessaire. Je vais voir du coup si du sud t'as pas combien. Oh mon dieu, il a une défense de malade. Alors, est-ce que ça marche en lui? Oh mon dieu, il a une défense de malade, on va y être pendant des heures. Oh la vache. Oh la défense de malade. Ah évidemment, maintenant l'eau le soigne, ouais. Bon, tu me diras, c'est plus logique, hein. Mais du coup, si l'eau le soit, tu me demandes s'il n'est pas vulnérable à la foudre, en fait. On peut lui voler quoi? Water gel. Super, on va tester ça, comme ça on va voir s'il est vulnérable à l'altération ou pas. Non, il est immunisé. Waka. Ah le salaud! Ah le salaud, il prend les altérations d'état. Ah! Ah c'est dégueulasse. Ah putain, c'est à dire si tu mets Ast, il va utiliser si tu mets Ast, il va gagner Ast. Oh merde! Ah ouais, d'accord. Je crois que ça a fait pile les HP max, donc ça c'est un instant de kill. Bon, déjà on va le dispel. Voilà. On va se retrouver Ast. Est-ce qu'il est immunisé au lit? Bah évidemment. Je vous avoue que je suis pas fan de ça, mais bon. Quoi casse ou slow. Ah y'a armor break. Bon bah du coup ça va pas marcher. Au hasard, comme ça on va tester slow aussi. Immunisé, ok. Il faut le remettre sur votre arme. Il avait pas l'air d'être vulnérable à la foudre. Poison Fang, ça lui fait combien? Oh, come on! What? Je commence à croire que c'est pas du tout qu'on est pas au niveau en fait. Le machin, c'est un tank. Bon, du coup, ça va aller parce que ça n'avait aucune altération.
Ah, il a été une grimpe. À la limite, c'est les objets qui lui font le plus de dégâts. Le combo, ça fait combien? Ouais, descend. Ah d'accord, il est mis à la foudre. Ok. Enfin pourquoi Waka... Pourquoi il était immunisé à Waka quand il a fait un struggle? J'ai pas compris là. Game over. Bon, la game over, clairement. J'ai pas compris pourquoi il était immunisé la première fois qu'il a fait ça. Ok, bon. Ouais. Bon, bah, je vais retenter, mais j'ai pas l'impression que ce soit faisable. Hein. Ok, alors. On va se le refaire. Alors, on va se le faire. Bon, il est un peu compliqué, mais il est faisable. Mais il est beaucoup plus compliqué qu'en Vania et beaucoup plus intéressant. Alors, parce que j'ai dû faire plusieurs tests. Malheureusement, il est misé à tous les items, donc que ce soit Blessed Gem, Shining Gem, ou... il y a que les Lightning Gem qui marchent bien. Alors la première chose en fait qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas utiliser Ast. Il ne faut pas utiliser Booster. Parce que si, en gros, s'il t'absorbe avec Booster, sa vitesse monte à 170, le maximum. Autant dire que ça devient impossible. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'alchimie de Riku pour faire ça. Voilà. Et donc ça va doubler les PV de Tidus et Waka surtout. On va donner l'overdrive à Riku. On va faire une autre alchimie derrière. Alors j'ai mis à Riku automed, comme ça voilà. Hop, on va juste redonner des PV à Riku parce que j'ai pas envie qu'elle meure tout de suite. Hop. Alors, pendant ce temps, Tidus fait quelques chires. Ça doit être principalement des dégâts physiques, basiquement. Donc, okay. Est-ce que tu peux arrêter d'attaquer Riku, s'il te plaît? Je crois qu'elle a subi slow en plus. Ouais. Ok, alors par contre, il y a un truc qu'il faut faire. Quand on a Armure Break, il faut faire Dispel. Faut pas le laisser. Parce que s'il t'absorbe pendant qu'il a Armor Break, il va augmenter sa force en fait, donc du coup c'est pas bon quoi. Du coup ça m'énerve parce qu'il arrête pas de se focus sur Riku, donc j'ai pas le temps de faire l'alchimie avec elle. Bah, il y a vraiment un problème avec Riku. Mec, arrête de focus Riku. Please. Alors,
Attendez, par contre, faut que je revoie l'edge. Comment on l'a fait celle-là? C'est, je sais que c'est élixir et un autre. Élixir. Ouais. Alors. Élixir et. Là, en fait, ce qui fait le plus de dégâts, basiquement, c'est les overdrive. Du coup, on va jouer sur ça. Donc ça, excentrique. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça double la vitesse à laquelle les overdrive se remplissent. Aspire. Oh merde. Le pire personnage. Bon. Il a aspiré le pire personnage possible. Ah, et alors ça, malheureusement, c'est un essai foiré. Là, c'est un essai foiré parce que j'ai pas de quoi refaire excentrique dans l'immédiat. Donc, on va recommencer. Ouais. Non, l'essai était foiré. Basiquement, parce que là. Waka était trop soigné, faut pas trop soigner Waka du coup, et là il aurait tué tout le monde à part Waka quoi. Et donc j'aurais perdu tous les buffs avec Tidus et avec Tidus surtout. Vu Riku, je m'en fous, elle peut mourir, c'est pas grave. Mais non, il faut au moins que j'ai les buffs sur Tidus et Waka. Ok, donc ça, ensuite on donne. Overdrive. Maintenant, si on peut avoir un peu une meilleure RNG, s'il vous plaît. Non, toujours focus sur Riku. Ouais. On va soigner. Ça déchire. Idéalement, on peut rester dans les 6000 PV environ. On ne veut pas aller plus loin. Can you stop focus Riku, please? C'est quoi? C'est pas grave. Si elle a slow, tant pis. Et ici, Discovery. Excentrique. Voilà. Ensuite. Je viens faire des chires avec lui. J'aurais dû relancer un remède sur Riku pour la soigner slow. Il a vraiment un problème avec Riku. C'est pas grave. Ah, merde, c'est l'armor break. Si la sort, ça va pas être bon. Là, je peux rien faire, il y a que Riku qui a dispel pour l'instant. Donc là il aspire. Il aspire Waka. Ok, il aspire Waka. Et là du coup normalement si je fais ça. Ouais, les deux vont pouvoir survivre, donc ça sera bien. De peu pour Riku, mais c'est pas grave. Alors en fait ce qu'il faut faire là, il ne faut pas faire struggle. Si tu fais struggle, il sort le perso et il va tuer le perso automatiquement. Si tu ne fais pas struggle. Voilà. En fait, il va faire sur tous les persos des dégâts égales au HP du personnage moins 1. Donc tout le monde va survivre. Et avec le type de comrade, ça marche super bien. Quoi. Alors, du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer une Water avec Tidus. Alors, en fait, je m'en étais pas rendu compte. Parce que j'avais alchimie avec Riku depuis le début. Mais en fait, Healing Water a été nerfée. Et elle soigne que la moitié des HP max des personnages. Donc il faut que tu aies alchimie pour avoir l'effet complet. Alors du coup, on va faire un overdrive avec Waka. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait le combo, mais là, il va être utile pour une fois. Voilà, c'est pas dégueu. On a 4 shears si je ne me trompe pas. Alors, statue punch sur Waka. Donc, Waka, je lui ai mis la balle qui a contre-attaque. Hein. Là.
faudrait vraiment que ce soit le tour de Riku là. On va faire une méga potion. C'est un peu dangereux parce que du coup, ouais, non, Waka peut survivre à se faire absorber. Mais par contre, il faut vraiment que je dissipe l'armor break sur Riku parce que s'il absorbe Riku là, il va gagner en force. S'il absorbe un perso qui a armor break, en fait, il va gagner en force. Et ça, c'est pas cool. Et pareil, s'il absorbe un perso qui a mental break, il va gagner en magie. Mais bon, la magie, c'est pas trop important. Si, il y a une mécanique qu'il faut qu'on parle pour ce boss. En fait, vous voyez là que Waka et Riku ont un statut qui a un tiret. C'est pas un bug. C'est juste que Piverman n'avait aucun moyen de nommer les statuts comme ça. C'est un espèce de statut spécial en fait. Et une fois qu'il a les trois tirés comme ça, il va faire mana bref. Voilà. C'est un trigger pour mana bref, basiquement. 355, statut punch sur Riku. Ok, confusion. Donc voilà, oui, et venir avec beaucoup de remèdes du coup pour ce combat, hein. Vraiment le plus que vous pouvez. Je vais dissiper son mental break parce que j'ai pas envie que. Que mine de rien, son mana bref est très mal donc. Alors, je crois que c'est le dernier shear normalement. Donc là, il a aspiré Tidus. Ah. Ça veut dire que Riku va mourir. Mais bon, quand je lui dis Riku, c'est pas grave. Riku, c'est pas trop grave si elle meurt. C'est vraiment Tidus et Waka que je veux garder en vie. Comme ça, Waka il va rester en vie. Je vais attaquer. Et là, on va se défendre. Le truc qui fait bien mal. Là, ce que je vais faire. Alors, ce tour est pas idéal. Alors, pas idéal du tout en fait. Bah, on va se soigner avec une water. Je vais ressusciter Riku, mais il faut que j'espère que. Il n'attaque pas Riku directement quoi. Ouais, il attaque Waka. Alors, hop, on va juste soigner Riku du coup. Donc attends, on est où au niveau du. Ah merde! On a une potion avec Waka, ça devrait suffire. Aussi crit bien sûr, mais là il a pas crit, c'est parfait. Alors hop, faut faire des dégâts au bout d'un moment. Voilà, voilà, ça c'est des bons dégâts, ça, ça on aime ça, ça c'est ce qu'on veut voir, un bon petit presque 7000 de dégâts là. Faut le lancer une méga potion, il n'y a pas de risque normalement. Waka devrait pas être au-delà des HP max de. Et il absorbe. Tidus. Riku va encore crever. On va faire quelques dégâts. Hein. Lightning Gem, c'est pas non plus des dégâts super, mais ça fait toujours quelques dégâts en plus. Donc, on prend. Ouais, là je veux que. Je veux que Waka ait son tour, et si j'attaque, je crois qu'il fera pas son tour. Ouais. Je veux que Waka ait son tour après. On veut vraiment pas qu'il ait deux tours d'affilée, quoi. Donc, voilà, on va juste faire ça. Okay. On va faire comme tout à l'heure. Water et on va ressusciter Riku et Waka.
quoi, on va lancer un méga phénix pour qu'elle ait tous ses PV. Ça c'est plus safe. Et il attaque Waka. Remettre son Waka. Niveau des altérations. Ok, Waka avait rien subi d'autre, donc c'est parfait. J'ai du bol parce qu'il a, il attaque pas souvent, il a pas tous les personnages avec Riku qui meurt. On est à l'abri du mana bref pour l'instant. Bon alors, je sais pas que je me plante sur les combos parce que je me suis planté sur les combos dans mon essai off-screen. Voilà. C'est le temps de reprendre la main. Parce que ça c'est tellement nerfé que j'ai pas fait gaffe. J'ai pas beaucoup utilisé dans cet aspect jusqu'à maintenant. Et voilà pour le coup. Ça du punch Antidus. Ok. On va faire ça. Et après je vais soigner Titus avec. C'est quoi? Non, je vais lancer une potion Albeit comme ça. Ça soigne pas trop. Ouais, là en fait je veux vraiment pas que Waka soit trop soigné. Parce que s'il se fait absorber, s'il se fait absorber, tu vas mourir. C'est ce qui s'est passé à l'essai précédent. Là, on va soigner Riku. Attends, on va voir les altérations qu'on a. Oh, le mana bref qui arrive. Bon, Riku n'a aucun moyen de survivre au mana bref. Donc, on va soigner pour que les autres puissent. Voilà. Comme je disais. Voilà. Donc, ouais, j'ai bien fait de soigner là. Vas-y, contre avec Waka. Les altérations, voilà. Maintenant, vous voyez, on a perdu le tiret. C'est normal, c'est comme ça que c'est voulu. C'est pas mal, comme ça au moins tu peux, quand tu le sais, tu peux prévoir le manœuvrage, j'aime bien. Tu vois, typiquement, si j'avais pas prévu, ça aurait été un peu compliqué. On absorbe. Waka. Soigne Tidus. Soigner avec une potion. On va laisser Riku le soigner avec une Ice Potion. Voilà. On va faire. J'ai pas utilisé. J'ai gardé son overall, je vais l'utiliser après. Parce que je crois qu'on a pas fait l'autre overall qui augmente la vitesse de remplissage des overdrive. Ça, et on va lancer un méga lycée hein, parce que j'ai pas envie de m'emmerder. Quoique j'ai dit qu'on aurait dû laisser. Ah non, c'est bon, Tidus c'est un tour après. Ok, on va essayer Tidus à son tour après. Voilà, Healing Water. J'aurais dû apprendre à utiliser Awaka pour ce combat en vrai. Ça aurait été plus utile. Sur Awaka, ok. Ouais, alors je vais faire mon mix, si je me souviens c'est élixir et sphère clé de niveau 1. Voilà, donc Hotspur. Donc alors, excentrique augmente, multiplie la vitesse de remplissage de overdrive par 2. Et Hotspur, c'est multiplie par 1,5. Et je crois que ça se cumule, donc voilà. Qu'est-ce qu'on a comme altération? Okay. Il y en a de très... Tant qu'on n'a pas les breaks, ça va. Je vais soigner Waka parce que un coup critique est vite arrivé. Riku. Qu'est-ce qu'il a en ce moment à faire tout le temps confusion, sérieux? Je vais devoir lancer une nouvelle potion.
Alors il absorbe aussi. Sinus. Faut que je soigne moi Waka donc. J'allais utiliser l'overdrive de Waka, mais là, vu la situation, non, on va pas servir son overdrive tout de suite. C'est con parce que du coup, ça va rien remplir l'attaque, mais bon, c'est comme ça. Jusqu'à deux tours, c'est parfait. Attaquer au bout d'un moment. Voilà. C'est bien, j'en ai pas reloupé un seul de combo jusqu'à maintenant. Ça me va. Ça fait quoi? Ça fait 4800 à peu près. Ouf, oh le crit. Heureusement, j'ai les chires. Ça va, j'ai les chires. Allez, on va y aller à fond là. Parce qu'il a beaucoup plus de vie dans la version de base, hein, clairement. Il a beaucoup plus de PV. On va s'en prendre une potion Aldate, ça devrait suffire. Ok. La statue punch. Oh, et elle a confusion. Ah non, c'est bon. Oui, je l'ai mis Automed. Par contre, je vais quand même devoir lancer un remède. Ce qui est con avec Automed, par contre, c'est que ça lance pas un remède quand tu as slow. Bon, alors là, j'ai Power Break, mais Power Break, c'est pas un problème. C'est vraiment Armor et Mental Break qui sont des problèmes. Pardon. Nice crit. Alors, il absorbe encore Tidus. Bon. Ok, encore Tidus, donc Riku va encore crever. Le Riku va beaucoup mourir hein, dans ce combat, au cas où vous l'avez pas compris encore. Ah. Tidus se défend. Vous avez vu comment ça a chargé les overdrive quoi. On va lancer un. Ouais, je vais lancer un méga lissir après. Ce sera plus safe pour Riku surtout. Les PV de Waka avec un objet parce que c'est, là il a un peu trop de PV à mon goût là. Encore un Shining Gem, genre un Poison Fang tu vois. Juste pour réduire ses PV parce que j'ai pas envie qu'il ait plus de PV que plus. Voilà. Hop, on va faire un compte de... c'est un peu cool comme manip mais vraiment pour ce combat là c'est utile de faire ça. Ah, Perfect Punch. Alors, Perfect Punch, je crois que ce qui change, c'est que ça a un peu plus de chances de faire des coups critiques. Et les altérations dessus sont différentes. Genre là, il y a silence, il n'y avait pas silence. Et là, on a le mana bref qui arrive. Alors, mana bref qui arrive. Riku est dans la merde. Mais je crois qu'on peut la sauver. Alors, on peut sauver Riku pour le coup. En faisant ça. Et en la soignant avec les motion. Normalement, elle devrait sur. Ah c'est vrai, il le fait pas. Il le fait pas tout le temps en fait. C'est vraiment le.
le trigger qui indique qu'il peut le faire, mais il le fait pas d'office en fait. Faut se méfier quand même. On va faire des dégâts. Je crois que c'est juste à Power Break en fait. Ouais, alors Power Break sur Tidus par contre ça m'emmerde. C'est pas une bonne idée mais vas-y on y va. Ouais, une fois qu'il fait Perfect Punch, c'est-à-dire qu'on est dans la deuxième phase, donc on est dans à la moitié de ses PV. Après il fait pas tout le temps Perfect Punch donc parce qu'on était peut-être déjà dedans depuis un petit moment. Voilà, le mal à bref. Voilà, tout le monde sur 10, c'est bon. Pas de problème. Voilà, aucun problème, tout le monde survit. On va lancer une potion Albeit pour se soigner. Ok, il aspire encore Tidus. Bon. Décidément, c'est pas le jour de chance de Riku aujourd'hui. On voit qu'un tour après. On va relancer quelques lightning gems pour faire quelques dégâts. Hein. Pourquoi je lance les lightning gems et pas d'autres objets comme les shining gems, tout ça? Parce qu'il est immunisé aux shining gems et aux blessed gems et les autres gems élémentaires lui font moitié de dégâts. Donc lightning gem est la meilleure quoi. Ok. Alors voilà le tour. L'ordre des tours là est bien là. Ça et après healing water avec plus. Clairement par contre c'est un combat beaucoup plus intéressant que la version de base là vraiment. Clairement c'est beaucoup plus intéressant. Dans la version de base c'est vraiment une merde ce boss. Ouh le petit crit. Le petit crit qui fait pas du bien. Alors. Bon là on gère pas trop mal. Je trouve que, je sais pas pourquoi, en fait, je crois qu'au début, quand t'as pas beaucoup de force, Spiral Cut fait plus de dégâts que Slice and Dice. Je vais lancer le méga potion, il n'y a pas de risque, c'est juste, ça sera qu'à 6000. Voilà, statue punch. Après, il faut dire qu'on a les 5 Shear, et avec les 5 Shear, il résiste bien Wakaitus. Petite Hide Potion sur Riku. Ah. Alors vraiment mettre excitant et hot spurs pour excentrique pardon et hot spurs pour augmenter la remplissage des overdrive. Mettre les shears avec Tidus et après c'est une question de bien gérer quoi. Et surtout dissiper les breaks quand il y en a. D'ailleurs j'ai pas vérifié, j'aurais dû vérifier. Et donc là il aspire. Encore Tidus ? Putain, mais... sérieusement. Calme-toi sur Tidus. Dans mon essai off-screen c'était Riku, c'était parfait tu vois, mais là non, là c'est Tidus tout le temps. donc là faut choisir une Waka ouais. On va encore crever. Voilà. Je peux te dire qu'il faut la mériter Anima dans ce jeu, hein, parce que oui, ce combat c'est pour débloquer Anima. Donc, faut la mériter Anima dans cette version, hein, moi je le dis. Alors, on aide. Lancer une potion Albeit. On peut voir les altérations de teint. Il n'y a que Waka qui a ça, donc c'est bon. On n'a pas de mana bref en vue.
statue bref qui fait pas du bien. Statue punch qui fait pas du bien. Mais ça, ça va faire du bien. À nous, pas à lui. Ok. Alors là, il absorbe. Mais vraiment, il a. Il a un truc contre Tidus. Vraiment. Putain. Mec, sérieux. Oh non, Marc, je vais lancer des Lightning Gems. Et Waka peut se soigner lui-même avec. On est bien setup, ça va quoi. Vraiment, le seul truc qui peut faire foirer, c'est si on soigne trop Waka et qu'il absorbe Waka. Mais surtout, faut pas utiliser Ast, parce qu'en fait, si tu utilises Ast, c'est là qu'il fait Earthquake et il a sa vitesse qui augmente d'abord. Alors après, j'ai vu que tu pouvais lui réduire sa vitesse en infligeant slow, mais ça me paraît un peu risqué. Donc, on va éviter. Alors, hop, hop. Avec l'angle de caméra bugué, ça fait. Ah, c'est bon. Voilà, on l'a eu. Allez, dégage. Revanche prise. Ok. Ah, voilà, c'était un combat sympa. Franchement, j'aime bien ce combat. Peut-être un peu trop de PV, mais sinon ça va. Franchement, c'est pas mal. Reflectarge, c'est quoi ça? Enfin, je suppose que c'est un truc à reflect, vu le nom, mais. Auto-reflect, voilà. Oh, il drop un truc avec auto-reflect. Dans la version de base, il est buggé et il ce boss est buggé dans la version de base. Et il peut dropper une arme avec sécurité, ce qui normalement est impossible. Bon, alors là, par contre, faut que je m'explique, parce que là, on passe sur un truc sous l'eau, tu vois. Là, vraiment, c'est sous l'eau, hein. Faut nager, y a pas le choix, faut nager. Et pourtant, les autres persos sont bien avec nous. Alors que là, t'as pas le choix, hein. Tu peux pas contourner, y'a rien, quoi. Mais bref. Alors, du coup, cet endroit. Évidemment, on n'a pas fait tout ça pour rien. Donc, si vous vous souvenez, les coffres qu'on devait récupérer dans les épreuves des temples, et bah c'était pour ça en fait, c'était pour activer voilà, pour activer ça. Et il y a un coffre à gauche, on va le voir. Voilà, on va pouvoir activer les 6, et ça inclut l'épreuve de Zarnakand. Je vois qu'il y a un autre coffre de l'autre côté. Ouais. Voilà. C'est pour ça que dans cette version, la version qu'on a connue, qu'on a tous connue, mais que les Américains n'ont pas connue avant le remaster, tant pis pour eux, on est baisé si on n'a pas eu récupéré les coffres trésors de Macalania et BZ. Parce que bon, maintenant on est dans le post-game, je peux spoiler, hein. Il y a les chimères purgatrices et il y a Valfort purgatrice et Shiva purgatrice qui bloquent le passage pour ces temples là. C'est très emmerdant. Ah. Et voilà. Pardon. D'ailleurs, si je sonne bizarre, vous tenez pas, c'est parce que je suis un peu enrhumé. Bon. Du coup. Allez. Donc, on va récupérer un priant, donc une nouvelle chimère.
Maintenant, les tabous, on s'en fout. Hein. Tout le monde rentre dans la chine, dans la salle de priant. Hein. Maester Seymour's mother. So you know, yet still you seek my aid. My son, do you not hate him? It is all right. He is the one who sowed the seeds of hatred. He is to blame. But I am at fault for letting him become what he was. Enfin, il est mort maintenant. He was always alone, half Guardo, half man. I wanted to give him the strength to live by himself. And so I became a faith. But because I let him taste power, he began to thirst for more. He was not satisfied with my Aeon. He wanted more, more power. Ouais, un peu de background sur Seymour au passage. And he found sin. Yes. Come, Summoner. I will bestow you with my power. The Dark Aeon, Anima. Destroy sin and my son's obsession with it. Il est mort. Ton fils est mort. Je suis désolé de te dire ça, mais il est déjà mort. Though it is small recompense for what I did to him. Voilà, donc on obtient Anima. Hop, je crois que je sais plus si elle redonne quelque chose si on rentre à nouveau. Je sais plus si il y a une autre scène si on rentre à nouveau ou pas. Ouais, c'est la mère de Seymour, pardon. Ouais, bon, je sais plus, je crois qu'il faut sortir du temple de Bage et revenir et t'as peut-être une autre scène avec elle, mais voilà. Bon, en tout cas voilà, on a obtenu Anima, on a obtenu, on a battu le Géo machin, je dis toujours Géo machin parce que je sais pas du tout comment tu prononces son nom. Ma foi, était vraiment un combat fun, hein. Juste un peu trop de PV à mon goût, je pense que tu peux réduire ses PV un peu, mais voilà, à part ça, ça va, c'était un combat fun. Après, on est à un stade où je suis dans le post-game, techniquement j'aurais pu aller dans les pseudo-arrières d'Omega, j'aurais pu grinder, j'aurais pu être overlevel. Je sais déjà qu'il y a des joueurs qui ont... Pourquoi j'ai parlé à moi? Je sais déjà qu'il y a des joueurs qui ont... sont arrivés devant lui, qui étaient overlevel et ils l'ont quasiment one-shot, quoi. Donc bon, c'est pour ça que je voulais le faire en premier, parce que je sais que derrière, voilà, une fois que t'es trop grindé, ce boss est juste formalité. Donc je pense que même avec les modifs qu'il a fait, une fois que tu tapes dans les 20 000, là, c'est bon, ouais, tu... c'est bon. Bref, donc du coup, bah voilà, on l'a battu. Et bah écoutez, voilà. Donc la prochaine fois, je crois qu'on tentera les ruines d'Omega. Au moins les monstres. Je pense pas qu'on puisse faire les boss, mais bon. On tentera de voir les monstres des ruines d'Omega dans le prochain épisode. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine, et salut.